やめるのです。On est sorti ? Ah, enfin d'or, j'en avais marre cette odeur de poisson mort. Reposons-nous ici quelques minutes, profitons-en pour manger un peu. Faim, je commence à avoir faim ! Elle a mangé il y a même pas 2 minutes. Après tout, les aquas que tu as mangé là-dedans, tu as encore faim ? Tu vas grossir. Ça me permet d'avoir plus de poitrine, ça ne me dérange pas. Manger en silence. Ah ! Enfin sorti, c'est un vrai labyrinthe cette grotte. Heureusement que j'étais là, grâce à mon pouvoir de clairvoyance, on a pu retrouver le chemin facilement. Bravo, pour une fois que tu pouvoir est utile à quelque chose. Soyez plus reconnaissante, sans mon pouvoir vous seriez perdue, vous seriez morte de faim. C'est cool, tu veux une médaille pour avoir un pouvoir que tu mérites pas. Ta gueule, vache qui pue. Arrête ma... Arrête avec le pu et sa 4 routes pour pédophile. En tout cas, je suis content d'avoir pu voir le cristal rouge d'aussi près, il est impressionnant. T'as pris le même nom pour ce cristal, une vraie arabe. Vole de l'argent et vole les noms. Et à ferme. J'étais surprise aussi, je ne l'avais jamais vue, je ne m'attendais pas à la trouver dans cette grotte. Le cristal magique rouge doit faire la taille d'un immeuble de 15 étages au moins. Il doit dégager assez d'énergie pour alimenter le monde entier. On m'a dit que le cristal magique rouge était trop puissant, il est inutilisable. En tout cas, personne ne sait comment s'en servir. Il n'y avait que Chang'an qui savait quoi faire. Créer des hybrides hors classe en les insérant avec un peu de cristal magique. Des hybrides démons, encore une abomination de la nature. T'es juste jalouse de ne pas être une hybride. L'équilibre du monde est en danger à cause des hybrides. Oh, le discours de raciste. Je suis pas raciste, je suis réaliste. Les hybrides sont dangereux et les arabes ne font rien à part nous voler notre argent et prendre nos allocations de côté. Aïe aïe aïe. Je ne lirai pas cette phrase. T'inquiète, Rouge. Moi, je te mettrai au musée des espèces disparues. Oh. Pour retrouver mon frère, blablabla. T'as peur qu'il se fasse violer? Non, j'ai peur qu'il viole le mercenaire qui l'a kidnappé. Le mercenaire qui l'a kidnappé est une fille. Kiroski m'en a un peu parlé. Elle s'appelle Rife et elle serait super bonne. Avec des petites bouses et une loli face. Ah, ça donne envie. Les boss. La gueule. Allons-y. Faisons attention tout de même, Kiroski m'a dit qu'il y avait une tribu très agressive dans ces montagnes. Je parle de l'aborigine noire là-bas. Je sais pas, elle a l'air d'être une fille normale, malgré sa peau foncée. Non mais peu importe la façon dont tu la regardes, c'est une fille normale comme nous. C'est vrai qu'elle ne se balade pas toute nue comme ces sauvages d'Afrique noire. Toi et tes clichés. Oh, je les reconnais. Ce sont les filles à qui j'ai parlé dans le donjon de la Dame à Voile. Les étoiles noires, si je me rappelle bien. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Je sais pas. Nous ne sommes pas censés les croiser ici. D'après le plan de grand-mère, elles devaient rester coincées dans une grotte. Le plan de grand-mère est un peu... foireux. Il y a toujours des choses qui vont pas. Cette fille aux couettes roses, on dirait que sa présence va changer complètement le futur de grand-mère. Petroni n'est nulle part dans ce que grand-mère a vu. Elle n'est pas censée être là et perturbe le plan beaucoup plus qu'elle ne le pensait. Les grand-mères ont engagé des mercenaires pour ce genre d'éventualité, non? En effet. Je vais arrêter de chuchoter en fait. Toutefois, nous n'avons pas les laisser rattraper Ralph et le fille le prince, c'est trop risqué. Et pour le cristal magique rouge, nous chercherons après avoir vaincu ces 4 filles. Elles sont 4 et on n'est que 3. Nous sommes des hybrides originales, on ne peut pas perdre contre des humains normaux. Et moi je suis un hybride phoenix. Dans le pire des cas, j'ai juste activé mon phoenix mode. Si se passe ce phoenix mode, grand-mère te l'aura formellement interdit. Que ferions-nous si tu arrivais plus à te contrôler et que tu finissais par mourir? Oh d'accord, d'accord. Avoir un pouvoir dépassant toutes les limites mais que je ne peux pas pouvoir utiliser, c'est un gâchis. Bah alors fight ou pas fight? Salut, ça faisait longtemps, vous vous rappelez de moi? Je suis Petroni, on s'est croisé dans le donjon de la Dame à Voile. Oui, on se rappelle de toi. T'as toujours un prénom ridicule. Il n'est pas ridicule mon prénom. Un hybride démon avec de grosses cornes et une longue queue. Pourquoi chaque fois qu'on fait quelque chose, on croise des hybrides? Non, la question que tu dois poser, c'est pourquoi ces personnes sont ici? Qu'est-ce que vous faites là? Ce coin est sympathique, mais paraît qu'il y a des tribus très dangereuses par ici. Nous sommes là car nous sommes vos ennemis. Nous l'avons dit dans le premier chapitre. Nous sommes vos étoiles noires. Nous sommes vos opposés. Je suis Kuronia. Je suis Ejada. Et elle, c'est bleu. Ah, d'accord, oui. Ejada.
Ouais, ils sont cons. Et nous trois, nous sommes les plus puissantes du monde. C'est ridicule. C'est quoi ce madame? Effet sonore du pauvre. Kuronia et Yada est bleu. Quel nom débile. C'est le même nom que moi, mais en verlan, c'est marrant. Y'a plus inquiétant que ça. Ils ont dit qu'elles étaient nos ennemis. Et elle est où, mon étoile noire? On voulait recruter le mercenaire Rife pour faire d'elle ton étoile noire, mais on a perdu le temps de lui parler. Ah, on n'a pas eu le temps de lui en parler. En plus, on lui a trouvé un super nom. Petrolane. Oh, c'est dommage. On aimerait beaucoup rester discuté plus longtemps, mais on a quelqu'un à sauver. Ah, on peut pas vous laisser passer. Car nous sommes vos ennemis, les étoiles noires. Ah ben, c'est bon, on a compris. Mon dieu, c'est complètement con. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on passe? Nous sommes de la parole bleue. Nous avons un but à atteindre et vous nous gênez. Ah, je vois. Alors, on va devoir se battre. Si vous partez maintenant, on n'aura pas à faire ce combat. On ne peut pas, on doit sauver les mercenaires avant qu'ils ne se fassent violer. Non, c'est ton frère qu'on doit sauver. Nous n'avons donc pas le choix. Formation Delta! Ah, formation triangle, c'est complètement con. Arrête avec ça. Poutrons-les comme des héroïnes. Sauf que dans ce simple, c'est nous les héroïnes. Save. Ah! Alors, j'attendais enfin ce moment. Soit on gagne, soit on perd. Donc, je vais faire ce chapitre de deux manières différentes. C'est parti. La tête des trolls. C'est parti. Wouh. Provocation. Tu fais tellement pitié que même les Arabes veulent pas te voler. Mais la ferme. Donc dans cette partie, on va les poutrer comme ils se méritent. Juste parce que je fasse gaffe à l'heure. Ça va être un peu chaud quand même. Aïe. Esquive. Varsovie ne prend aucun dégât physique. C'est trop génial. J'adore cette fille. Ah, mais putain. Attendez, on... Kuronia, c'est la plus dangereuse. Bam. Ah non, 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 pas ça. Voilà. Deux points ratés. Voilà, Kuronia hors jeu. Maintenant... Vous êtes sérieux? Vous savez quoi? On va faire en sorte de les poutrer en même temps. Et merde. Cerise. Cerise. Ah. Aïe. Ok. Cool. Voilà. Aïe. Aïe. Varsovie, elle a rien pris du tout. Tu peux pas. Non, non. Aïe, c'est big. Aïe. Ça, faut que je serre les soins. Ça. Normalement, je peux les buter. Non, sérieux. Allez. Aïe. Aïe. Ah, c'est bon. Ils ont plus de poulet. Mais merde.
nous partons sur la victoire des méchantes. J'en ai marre des hybrides. Nous n'avons quasiment plus de PV. Faut fuir. Retraite stratégique. Attendez, c'est l'heure d'utiliser ma botte secrète. Sa botte secrète, une nouvelle technique interdite du clan ninja aux yeux rouges y tourne. What? Moi aussi j'ai une technique secrète, mais je vous dirai pas. Arrêtez avec vos techniques secrètes et mettons-les vite KO. Nous avons assez perdu de temps. Technique ninja du clan des couettes roses. C'est pas mal, le gros caillou. J'ai bien fait d'en ramasser. Spammer des gros cailloux pour les assommer, quelle technique de génie. Bravo Pétronille, tu as servi à quelque chose dans ce chapitre. DG, on aurait dû faire ça dès le début, ça nous aurait évité de perdre tous nos consommables. Faut du suspense pour que ce soit intéressant. Donc on va dire que c'est la sauvegarde 2. Oui, Varsovie et Nanako ont perdu leur combat. Ah mais attendez, c'est une blague. Wait, on a perdu. Non, non, on a gagné, on les a défoncés. Enfin bref. Je vois, elles vont nous rattraper, mais pas avant le moment. Si Petronille et les autres nous rattrapent, on fait quoi? Je les mettrai KO et on continuera notre mission. Waouh, t'es trop forte, madame. Madame? Ouais. J'ai l'air si vieille que ça. Non, t'as pas l'air d'une vieille. Tu es même très jeune, malgré la grosse poitrine que t'as. C'est normal que je fasse jeune, nous avons le même âge. Malgré la grosse poitrine qu'elle a. Ah, pourquoi tu es si surprise? Je pensais que le plus célèbre des mercenaires avait une personne. Et tu étais une personne avec énormément d'expérience et donc très âgée. J'ai commencé très jeune. Je devais être encore en primaire lorsque je suis devenu une mercenaire. Pourquoi commencer si jeune? Pour certaines raisons. Ça explique tout. Ça explique rien. Mais je comprends qu'il ne veut pas en parler. Assez bavardé, nous avons encore les villages des aquas à traverser. Excusez-moi un instant. Allô, Pai Pai? Oh, bonjour Perrine, comment vas-tu? Je suis en mission, ne me dérangez pas. Bien, je vais pas faire de détour. J'ai une autre mission pour toi dans la zone où tu te trouves. Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde vers l'ouest et souris. Et pourquoi? Fais-le. Tout ce que je te demande pour l'instant. Bon, d'accord. Go. Quel faux sourire! Tu devrais apprendre à sourire. Je ne veux pas... Je ne peux pas attendre. Entends ça de la part de quelqu'un qui n'a aucune expression que le poker face. Comment oses-tu me parler de la sorte? Je suis ta mère. Sais-tu à quel point tu m'as détruit l'entrejambe en venant au monde? Tu ne m'as même pas mise au monde. Ah, c'est vrai. Mais si ça avait été le cas, j'aurais beaucoup souffert, alors sois reconnaissante. Je raccroche si t'as rien d'autre à me dire. Arrête de plaisanter, il y a un aqua qui vient tout juste découvrir comment utiliser la nécromancie. Il risque de devenir très dangereux pour notre monde. Et c'est facile à connaître, contrairement aux autres aquas qui sont bleus, lui il est violet. Après avoir fini ta mission avec la parole bleue, trouve cet aqua et tue-le. Et ramène-le à la maison pour le dîner. Est-ce que je gagne en échange? Un dîner avec ta maman chérie, c'est-à-dire moi. Bien sûr, c'est toi qui vas préparer le repas. Aujourd'hui est le jour où je dois être fainéante. Rêve! J'ai juste à tuer cet aqua. Tout à fait, une balle dans la tête suffira. Compris. Bye bye, je peux te poser une question avant qu'on raccroche. Seulement si tu m'appelles maman. De que fait la parole bleue est dangereux pour notre monde? Pourquoi vous les dieux n'intervenez pas? Appelle-moi maman et je te répondrai. mais attends, Pai Pai a changé de tête ou c'est moi? Ah mais non, c'est... Attends, 30 secondes. Pai Pai... Pai Pai... Attends. Oui, Pai... What? Attends, Pai Pai, il a un chapeau de pirate? C'est quoi cette merde? Mon dieu. Maman. Le monde n'est pas en danger. En tout cas, tant que Sikri est là, le monde ne risque rien. Sikri interviendra d'elle-même si quelque chose grave arrive. Ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, le monde ne sera jamais en danger tant que Sikri est là. Absolument, je vois, je raccroche à ce soir. Dis-moi merci maman, je t'aime. Raccroché au nez. Pai Pai, les noms des déesses protectrices. Tout à fait, c'est bien la déesse qui vient de me plaire. Elle est ta maman, avoir une déesse comme maman, c'est génial. C'est pas vraiment ma mère. Enfin, c'est... quand même, elle qui m'a élevé et tout appris lorsque je suis retrouvé toute seule. Nous pouvons en parler une autre fois et finissons vite notre mission, j'ai un autre travail après ça. À vos ordres, Perrine. Ah tiens, elle a changé de nom. Madame Perrine. Allons-y. Nous voilà au village des aquas. Nous ne risquons pas grand-chose, mais ils peuvent nous ralentir grandement si on ne fait pas attention. Des humains! Des humains sont là!
Ouvrez la porte ou je tue celui qui est celui-là comme j'ai tué l'autre. Je veux pas mourir. Ouvre la porte. Quelle violence. Ce ne sont que des aquas. Les aquas ne sont que de la nourriture pour les humains. Ouah. En plus d'être belle avec un corps ultra sexy, tu es cruelle. J'aime ça. T'as dit, j'ai l'air derrière les arbres là-bas. Aïe. Oh oui, frappe-moi plus fort. Pourquoi il ne percute pas de bébé lorsque je le frappe? Pureski, ma maid, est une démon originale et elle m'a bien entraîné. Tes coups sont agréables. Mais niveau puissance, c'est loin d'égaler Pureski. Ah. Oh oui, là c'est bon. T'es doué. J'en ai souillé ma petite culotte. Je vais te tuer. Perrine, arrête. Sa défense est très élevée. Il a l'air d'aimer ça en plus. Excusez-moi un instant, il faut que je change mes sous-vêtements. On n'a pas le temps, tu t'es, tu nous suis. Mais ça va couler jusqu'à mes pieds, ce ne serait pas beau de me voir. Puis quelqu'un d'explosif. Pureski a même du mal à tout prendre. Que ce soit en bas, en haut ou derrière. Je veux juste ignorer ce que tu viens de dire. Allons-y, Elfie. C'est très agréable d'avoir quelque chose qui coule sur ma jambe. Laissez-moi au moins enlever mon pantalon. Et ta gueule! Oh, c'est tellement n'importe quoi. De son tour, tue-les! Bachir le porteur, Kahid le témoin, Fatima la chamelle et Farah le besoin. Ah, bah, un ulti aussi. Je sens que je vais adorer ce perso, encore plus que Varsovie. C'est pas un truc qui tape tout le monde. Ah, si. Exhibitionnisme. Raté. Ouais, j'ai fait mal sur ce moment, je sais pas. Exhibitionnisme. Cette attaque. Masochisme. Par contre, ta part de Perrine, elle est très lente à charger. Aïe. Ça, c'est extrêmement chiant là. Le chapitre commence à être un peu long. Ah cool, un triplé. Bayon. Oh. Ah, c'est trop bien cette attaque. Un triplé. Bah, c'est Elfie qui est un peu plus dans la merde. C'est ce bruit d'enfant qui pleure. Voilà. Oh. Pourquoi tu nous aides au Gérard? On t'a kidnappé, tu sais. Ah bon?
m'a kidnappé? Et qu'est-ce que tu pensais qu'on faisait? Moi je pensais que vous me trouviez mignon et que vous cherchiez un endroit tranquille où on peut faire plein de choses sous douteuses. Et vu comment Madame Perrine m'a crié dessus tout à l'heure, je commence à douter. Ça me gêne pas trop d'être kidnappé. Madame Perrine a de gros seins et toi, Elfie, tu sembles avoir une gorge profonde pour pouvoir tout avaler sans souci. Que dirais-tu d'essayer avec moi derrière le buisson là-bas? Ce type est franchement glauque. Ah, tout de suite, nous sommes en mission. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une gorge profonde? Elfie, ne te fais pas voir par ce nain. Et peut-être le plein de le mois d'août est d'une petite taille, mais c'est le plus gros pervers que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui. Pas parce que j'aime me faire kidnapper et aime les gorges profondes que je suis un gros pervers. Justement, si t'es un gros pervers. Ah, ça tue. Ah, tu putain. Énormément besoin de PM là, pauvre. PM, PM, PV, Perrine. Oh, l'attaque de taré qu'elle a! Hop. Et attaque, 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 attaque. Pas besoin de tortiller. Une énorme défense. Il agit quand même. Oh, j'ai mis de la def. Fichier 2. Hein. Pas. Bon bah voilà, nous sommes arrivés au village des Aquas. Perrine a fait un magnifique massacre avec son pistolero. Oh là là, trop bien. Je sens que je vais bien m'éclater avec ce personnage. Bon bah les gens, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour un nouvel épisode.